Bonjour les gars, c'est Sergi, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui vient de sortir sur mobile, sur Android et sur iOS, donc iPhone. C'est un jeu qui est connu du public, un jeu qui s'appelle le jeu Pokémon Unite. Donc, il vient juste de sortir sur mobile. Il était déjà disponible sur, je crois, sur Nintendo Switch et sur Wii, je crois aussi, il était disponible. Et il vient de sortir sur mobile, donc sur Android et sur iPhone. Donc, vous pouvez le télécharger. Il est disponible sur Play Store et sur Apple Store, sur l'Apple Store. Et moi, je vais jouer pour, pas pour la première fois. Je suis pas un pro de ça, attention, mais je connais le concept du jeu. C'est un jeu 5 joueurs contre 5 joueurs. Et je vais d'abord cliquer pour commencer. C'est un jeu 5 joueurs contre 5 joueurs. Et vous jouez en ligne et en fait vous vous battrez et vous battez et vous essayez de gagner des points en marquant des points. Et puis vous pouvez éliminer votre adversaire. Et entre temps il y a aussi des Pokémon sauvages. En fait tu as ton propre Pokémon et tu te bats contre les autres Pokémon pour collecter des points. Plus tu tues de Pokémon, plus tu gagnes de points et plus tu as ces points, plus tu peux marquer dans un petit saut là. Bon, je vous explique comme ça, mais vous avez compris donc. Je vais vous montrer comment ça se passe. On va faire un tutoriel ensemble, je crois. Pour vous expliquer un peu le jeu. Donc, on va commencer règlement de base. Moi, j'avais déjà fait quelques tutoriels. Toucher pour accéder au tutoriel. Donc, ici, tu peux revenir sur les premiers tutoriels ou lancer. Ok, on va faire les premiers tutoriels ensemble, je crois. Et je vais vous expliquer chaque tutoriel. Donc, on va faire. Voulez-vous démarrer le combat? Ouais. Donc, on va faire les tutoriels ensemble pour plus vous expliquer le jeu, pour ceux qui le découvrent. Comme moi aussi je venais de le découvrir, donc. Mais j'ai déjà joué des jeux similaires, il y a des jeux comme Mobile Legends, Dota 2, mais bon, c'est un concept un peu différent, mais c'est presque la même chose. Et donc voici, ça c'est l'arène en fait. C'est une arène, et dans cette arène il y a des combats de Pokémon. Et donc voilà Pikachu. Ok, il t'explique ici, nous voilà dans la zone d'entraînement, je vais t'apprendre des combats d'unité. Ce sont des combats où les Pokémon se battent en équipe, c'est le score qui marque par chaque équipe à la fin de rencontre qui décide de l'issue du combat. Donc pour commencer, on va se déplacer jusqu'au centre. Donc ici c'est le tutoriel, on va donc se déplacer calmement. Ok, très bien, continue à faire avancer, donc on va continuer. Voilà, il faut attaquer ça. Voilà, et avec ça tu gagnes des points. Et je vais vous montrer qu'est-ce que vous faites avec ces points. Et bon, ces points, vous voyez, j'ai 4 points là. En bas, c'est inscrit. Et ces points, tu dois le mettre dans ce cercle là-bas. Et l'équipe qui marque le plus de points dans les paniers objectifs adverses, dans le temps imparti, gagne cette partie. À ton unité, Ball contient l'énergie. En fait, ça s'appelle énergie Aeos. Aeos, je ne sais pas comment on prononce ça. Essaye de marquer des points. Donc, on va aller marquer des points. On va aller marquer ce point. Donc, dès que tu arrives dans ce cercle, tu cliques très longtemps. Et voilà. Et là, tu marques des points. Et je sais pas là où le score est inscrit. Mais quand tu joues le jeu, en fait, on te montre le score. Ok. Là, maintenant, on doit maintenant tuer tous ces... Et vous voyez, là, vous avez aussi des attaques spéciales. Et ces attaques spéciales, en fait, donnent plus de dégâts pour tuer un Pokémon. Et là, vous allez suivre. Voilà. Voilà, et vous allez essayer de marquer d'autres points. Et voilà, là, ça fait 14 points qu'on a. Score actuel 18-30. 18 sur 30. Donc, je dois marquer. Il m'a dit que je dois marquer combien? Voilà. Disent que je dois marquer 30. Alors je vais essayer de marquer 30. D'abord je détruis ces autres Pokémon, on dirait des abeilles. Pikachu vient de monter de niveau, donc on peut aussi monter de niveau. Et plus tu montes de niveau, plus tu deviens fort. Et là tu peux choisir les attaques spéciaux. Donc plus tu montes de niveau, plus tu débloques des attaques spéciaux. Et ces attaques spéciaux, en fait, ce qu'ils donnent, c'est qu'ils donnent plus de dégâts. Donc voilà, un Pokémon qui va essayer de protéger pour que je marque pas. Et ce Pokémon, souvent, il est contrôlé par l'équipe adverse. Bon, essayer de le massacrer. Attaque spéciale.
Voilà. Et quand ils meurent, ils font tomber leur énergie et vous devez en fait les récupérer. Alors je vais les récupérer. Et vous pouvez marquer des points avec. Je crois que là, on en aura suffisamment. Et voilà. Je crois que on a rempli l'objectif. Ok, maintenant, on va aller à l'arène. On va jouer contre des bots. Et vous allez comprendre le jeu. En fait. Voilà. Donc, là, on va tutoriel de base 2. Donc, ça, c'est pour vous expliquer maintenant comment ça se passe dans les jeux. Plus vous allez jouer des tutoriels, plus, en fait, plus. On va vous expliquer des choses que vous ne saviez pas. Voilà, maintenant, nous voilà dans l'arène. C'est là où se déroule en fait le combat. Et donc, vous voyez, il y a 6 cercles. Nous deux, nous en possédons 3. Donc, il y a deux voies. Il y a une voie qui va vers le haut et une voie qui va vers le bas. Et chaque voie, donc, comme vous voyez sur la carte, elle possède en fait. Ses objectifs, les objectifs de chaque équipe, en fait comment dire, le cercle dans lequel on marquait les points. Et plus vous déposez les points, plus vous gagnez de points, et plus vous en déposez plus ce cercle va se détruire. Et si vous réussissez à détruire tous les cercles, vous gagnez automatiquement. Mais si vous ne détruisez pas les cercles, eh ben à la fin des minutes, parce que en fait c'est en regard avec les minutes, à la fin on va compter celui qui a le plus de points. Donc ça, c'est le premier cercle. Ça, c'est en fait, nous sommes violets et eux ils sont oranges. Faut jamais oublier ça. Et si on essayait un petit combat en équipe, ok, on va voir. Donc je vais vous expliquer. Alors on y va. Donc on va jouer. D'habitude c'est 10 minutes, mais là on va jouer en 5 minutes. Donc on y va. Et il faut détruire, comment dire, ces Pokémon sauvages. Et ces Pokémon sauvages vont te donner des points à marquer. Et là, vous voyez, c'est vers le bas, je crois. Et là, faut pas oublier aussi de sélectionner ces attaques spéciaux parce que ça va rendre fort. Et là, vous voyez, j'ai 8 points à marquer qui est inscrit en bas. Le problème, c'est que je vois pas où est-ce que là je peux marquer des points. Attention, faut pas rester là parce que quand ils sont dans ce cercle-là, ils peuvent, comment dire, on va aider nos potes là. Ils vont gagner de vie et seront plus forts. Voilà, ton Pokémon est en mauvaise posture. Donc, pour gagner la vie, faut aller juste. Ah ouais, je me déplace même pas. Qu'est-ce qui se passe? Je peux le battre. Il s'enfuit. Il s'enfuit, le gars, il s'enfuit. Ah, il s'est enfui, le petit chenapan. Il s'est enfui. Ok. Lui, il va pas s'enfuir. Lui, on va l'avoir. Et lui, tu vois, quand il meurt, il laisse beaucoup plus de points. Et là, j'ai 11. Ne jamais oublier de mettre ce point parce que au début, les gens se battent et oublient que l'objectif, en fait, c'est de mettre des points. Heureusement. Attention, si là quand il se bat ici, il faut juste quitter parce que là il est en train de gagner des vies. Et là on peut avoir. Et il faut aller dans ce petit cercle en fait pour gagner la vie. Et comme vous voyez, et là mon pote a des problèmes, je vais l'aider. Lui on va l'avoir, lui on va l'avoir, on va l'avoir. Voilà, on l'a eu. Non, ici on l'a toujours pas eu, mais ce type il est fort. Hein. Voilà, je l'ai eu cette fois-ci. Et là, j'ai évolué, j'ai augmenté de niveau. Voilà, elle explique tout ça, donc je fais passer tout ça parce que moi je sais tout ça. Donc, vous augmentez de niveau. Continuez comme ça. Et vous pouvez aussi augmenter la force de vos capacités. Et vous voyez, on dirait que ton Pokémon peut apprendre de nouvelles capacités. Voilà. Je prends celle-ci. Voilà. Et vous venez de détruire. Aïe, 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 lui il s'enfuit. Il va m'avoir, lui il va m'avoir. Je vais utiliser cette technique pour voir ce que ça fait. Ouh, c'est joli. Lui il va mourir, lui il va mourir. Il m'échappe chaque fois, il m'échappe chaque fois, mais il ne m'aura pas cette fois-ci. Il ne m'aura pas parce que je suis devenu un peu plus fort. T'es dans une zone, change vitesse adverse, elle affecte ta vitesse de déplacement. Tu iras moins vite sur les zones adverses et plus vite sur les zones alliées. Ok. Donc quand tu es dans la zone adverse, tu vas super lentement. Donc je vais essayer de marquer. Ok, j'ai évolué. Je vais essayer de marquer les. Voilà.
pour marquer des points. Et wesh, lui il va prendre attention. Il va mourir. Il faut pas oublier de détruire aussi les trucs sauvages, quoi. Mais quand tu deviens plus fort, vaut mieux battre les autres là, parce que c'est qui t'empêche, comment dire. Voilà, attaque spéciale. C'est l'attaque la plus forte que tu peux avoir, mais lui, je vais l'avoir, il va mourir. Et parce que je suis devenu un peu trop fort, à l'autre là, c'est échappé. Mais t'inquiète. Voilà. Il s'enfuit. J'ai gagné 5 points. Juste 5 points. Ok, là, c'est Elector. En fait, c'est quand tu tues ce Elector, il apparaît au milieu du jeu. Quand tu le tues, vous gagnez beaucoup d'énergie, en fait. Vous gagnez beaucoup d'énergie. Voilà. Et plus vous avez d'énergie, plus vous avez de points. Vous voyez, j'ai 25 points là. Oh, vous allez mourir. Lui, il va mourir. Ok. Là, maintenant, il reste juste avec un seul objectif. Attention, on est en train d'attaquer notre objectif. Voilà, 50 points. Ils vont essayer de me battre, mais je suis fort, t'inquiète. T'inquiète pour moi. Et mon pote est venu m'aider là, c'est très bien. Oh, attention, je vais mourir. Wesh, il faut que je me casse d'ici. Attention, je vais mourir. Et ouais, je vais mourir. Ton Pokémon lâche l'énergie. Ok, ils m'ont eu. En fait, ils étaient très nombreux. Et je suis mort. Et plus, la partie devient longue, plus ta partie de revenir dans... la durée pour revenir dans la partie devient longue. Donc je crois que le match va se finir là. Je crois... Le problème c'est que je vois jamais le score, je sais même pas là où ça se trouve en fait. Mais je crois qu'on a l'avance, voilà. 185 à 72. Ça c'est une victoire. Donc, on clique sur suivant. Et donc ça c'est mon avatar, donc au début du jeu vous créez votre avatar et tout, donc ça c'est sans d'autres tutoriels, mais je vais pas vous apprendre, je vais directement aller jouer maintenant en ligne contre d'autres personnes et vous montrer comment on se bat. Donc plus aussi j'ai oublié de dire, plus vous gagnez de matchs, plus vous évoluez des niveaux, plus vous rencontrez des joueurs expérimentés, donc et plus vous gagnez comment dire, des récompenses, des nouveaux Pokémon. Et là on clique sur prêt. Donc les autres vont choisir des Pokémon. Il faut connaître bien ces Pokémon qu'on choisit, parce que si on connaît pas ces Pokémon, vaut mieux pas les choisir. Alors je sais pas, je crois que je vais choisir Pikachu. Mais il faut regarder les autres ce qu'ils choisissent, parce que s'ils choisissent des trucs très faibles, vous risquez de perdre aussi. Donc faut toujours essayer de boucher les trous. Et là, nous allons commencer dans quelques secondes. Et là, donc vous voyez les autres, ils ont choisi d'autres Pokémon, comme vous, vous êtes en haut là. Et ça, c'est sans tous vos alliés qu'ils ont choisi. Alors, j'ai un petit problème de connexion. Voilà, j'avais un petit problème de connexion en fait. Et voilà, on est dans la partie en fait. Maintenant, cette fois-ci, on joue en ligne contre des vraies personnes. Alors, on va directement, il faut augmenter de niveau le plus rapidement possible. Voilà. Et il faut utiliser. Voilà. Notre pote. Et donc, on peut prendre ces fruits pour augmenter notre vie rapidement. On peut l'avoir, on l'a eu. Donc, j'ai des petits soucis de connexion en fait. Voilà, je vais marquer mes points. Voilà. Ok, notre pote a des soucis.
Là, on peut prendre un free. Ils ont failli me piéger. Attention. Ah, il m'a eu. Donc là... Là, ils sont plus nombreux que nous, en fait. Je crois que le fait que tout le monde soit en bas, ils en profitent pour aller en haut pour marquer plus de points. Et récupérer, il faut pas oublier de récupérer tous ces points, en fait. Oh, wow, ils sont trop nombreux. Allons-y. Voilà, on va essayer de marquer. Bon, il faut pas oublier de récupérer en fait toutes ces énergies parce que ce sont des points. Donc il me suit. Continuez comme ça. Voilà, on l'a eu. On va essayer de marquer. En tout cas, on a l'avantage, je crois. Ah, fouillons. Ah, il va m'avoir, venez me défendre. Merci les gars, merci. Moi je m'en fous, hein. J'ai pas de vie. Oh pardon, j'aurais dû peut-être le laisser prendre le dernier fruit. Donc il a essayé de voler, il fallait que je le prenne. Faut pas oublier... Ok, je vais aider mon pote là-bas, je crois qu'il a des soucis. Oh, je m'enfuis. Qu'il aille le prendre. Ah, il a pas eu. Oh. Je reste derrière lui parce que si il m'a... Je vais mourir, je m'en fous moi, je m'en fous. J'ai pas de vie. J'ai pas de point de vie. Je vais aller dans le petit cercle là. En fait, même si vous retournez dans votre base, je crois que... On va y retourner, je vais vous montrer. Donc si on vient là, je crois qu'on peut augmenter la vie facilement, voilà. Je sais pas si on peut se téléporter. Ouais, je crois qu'on peut se téléporter. Et on peut retourner à la base en fait, je viens de voir, sans marcher. Juste un petit retour, ok. Attention, donc, les gars. Oh, il va m'avoir, il m'a eu. On était seul ici, en fait. J'étais seul. J'ai pas vu mes potes. Je sais pas si on a l'avantage, si on est en train de gagner ou perdre. Je ne vois pas où sont les points. Vous pouvez me dire où ça se trouve dans les commentaires. Je sais pas, je viens de voir. Il y a des gens ici. On va aider notre pote ici. Dernière ligne droite. Ok, on va essayer d'avoir... Ok, on y va les gars, on y va. On est chaud. On a pu détruire Elector, c'est Elector. Chaque fois j'oublie. Ah, ok. Ok, on va aider nos potes. Je crois que je vais juste marquer d'abord mes points avant d'aider les autres. Voilà. Voilà, je vais l'avoir. Ah, il m'a eu. Ah, ça a été bête d'aller l'attaquer seul, en fait. J'espère que mes potes vont... Donc, vous voyez, plus je meurs, plus je vais traîner. Plus je meurs, plus ça traîne. Ça prend plus de temps à ce que je revienne dans la partie. Je vais revenir. 5, 4, 3, 2, 1... Ok, je reviens. Terminé. Voilà, on va voir si on a gagné. Eh ouais, on a gagné, victoire. Et bon, voilà, c'est le jeu. Je crois qu'on va terminer la vidéo par là.
on venait de voir, j'ai marqué le plus de points. J'ai marqué le plus de points, tu sais pourquoi? Parce que je crois que les autres sont plus focalisés à se battre. Ils oublient que l'objectif, c'est de marquer des points. C'est bien de se battre, de battre tout le monde, mais si c'est pas du Dota ou bien du Mobile Legend, ici, il faut marquer des points pour pouvoir avancer. Et donc là, j'ai marqué 127 points, et ça, c'est bien. J'ai tué une personne, un Pokémon, et j'ai aidé trois Pokémon à être tués. Et comme vous voyez, il y a des gars qui ont tué quatre personnes. Alors, le jeu, moi je termine la vidéo par ici. Vous allez me dire comment vous avez trouvé ce gameplay. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de laisser un like. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de contenu de ce genre. Je joue souvent les jeux mobiles, donc abonnez-vous si vous voulez voir de contenu de ce genre. Ce jeu, pour en profiter, vous pouvez le télécharger. Il est sorti mondialement, je crois. Peut-être dans certains pays, c'est pas disponible. Moi, c'était pas disponible là où je suis en ce moment. J'ai dû utiliser un VPN pour accéder à ça. C'est pour ça que ma connexion est un peu lente. Mais partout où vous êtes, je crois que c'est possible d'accéder à ce jeu. Alors, je vous dis à plus. À plus. Au revoir. Et bon, la vidéo se termine par là.